out there. There's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Voir si on m'entend. Bon, ça a l'air de fonctionner, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bonsoir. D'abord, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. La semaine a bien commencé pour vous. Il a fait froid aujourd'hui, hein. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid dehors. C'était la petite page météo de la soirée. Mais voilà, comme convenu, je commence sur le petit jeu mignon qu'est Wall-E. Wall-E, c'est pas un jeu, enfin c'est un des premiers jeux PlayStation 3 que je m'étais acheté, mais j'ai jamais terminé, je sais pas pourquoi en fait. J'ai joué quand même un petit peu, mais j'ai pas fini le jeu, donc ce sera l'occasion de reprendre le jeu à zéro et puis de le terminer. Surtout, j'espère pouvoir le terminer, hein. J'espère que je vais pas être bloqué en plein live.
Donc là, ne pas éteindre le système lorsque l'indicateur d'accès disque dur clignote. Voulez-vous vraiment créer une nouvelle sauvegarde? Bah bien sûr que oui. On est parti, c'est pas pour jouer dans le vide. Alors, on est parti. Alors BL. On va savoir ce que ça veut dire. La décharge d'énergie d'Eve peut dégager un passage encombré. Merci de m'avoir laissé le temps de lire. Wall-E n'aime pas trop les éléments liquides. Alors, méfie-t'en. Oui, donc Wall-E, c'est un petit robot. Hein, je pense que je vous l'apprends pas. Donc, forcément, il aime pas tout ce qui est flotte et compagnie. À la rigueur de l'huile de vidange, ça lui conviendrait. J'espère que cette musique ne va pas être bloquée ma vidéo sur YouTube. Voilà, le petit robot, c'est mignon. Town Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle. Allez, un petit bloc à la Minecraft. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night where the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town. Donc ça y est, on est déjà dans le feu de l'action. Suis le cafard, donc faut suivre le cafard. Bon, après on peut regarder, hein. On fait les curieux. J'ai. Ok. Donc L2 R2 c'est pour la caméra. Quand je fais la touche croix enfoncée, c'est une brique. D'accord. Là c'est la touche croix. Bon, je pense qu'il va me la prendre le cafard. Quand je maintiens la touche croix enfoncée, il saute, après il se met en cube. Et forcément, ça change. Ça change d'apparence, mais il y aura bien forcément une fonctionnalité à ça. J'ai le joystick droite, donc c'est la caméra. Nickel, hein, ça répond bien. Et le joystick gauche, forcément, c'est pour déplacer le petit robot. Alors, qu'est-ce que va dire, que va me dire le fameux cafard? Bon, je crois que toutes les commandes ne sont pas activées pour l'instant. Faut juste se contenter de le suivre. Ouais, j'ai des petits collectibles à avoir, hein. Faut être un petit peu observateur. Ça fait un bail que j'y ai pas joué, hein. Honnêtement, j'ai dû y jouer une ou deux fois. Donc c'est un peu comme si je découvrais le jeu, honnêtement. Je me rappelle plus du tout, hein, comment ça commençait. Mais bon, il a l'air bien sympa. D'accord, ok. Il fout la merde. On peut foutre le bordel, hein. Allez, on n'hésite pas, on fout le bordel, hein. Excellent. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait le petit robot? Faudrait que j'arrive. Voilà, illustration obtenue. Donc il n'y a pas de trophée, vous ne serez pas embêté par les petites notifications de trophée obtenu. Il n'y en a pas sur ce jeu-là. Après, c'est peut-être pas plus mal, parce que au moins on fait le jeu sans se prendre la tête. Sauvegarde en cours. Appuie sur L3 ou L2 pour passer en mode de précision. Voilà, le champ G de visualisation pour mieux viser. Oui, ça je le savais. Je l'ai fait avant même que tu me le demandes. Je peux pas.
Il y a une sorte de bestiole là. Je peux pas l'attraper le dinosaure, ça, j'ai l'impression que c'est le dinosaure de Texavri. Pas Texavri. Ah Texavri. Non, c'est pas Texavri, c'est comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé le nom du film. Avec le cowboy. Vous saurez peut-être mieux que moi. Bon bah faut aller là. Alors, moi je filme comme ça. Je vais à l'arrache. Wall-E peut recharger son énergie à ses bornes à l'utilisation limitée. Merci de m'avoir laissé le temps de lire, c'est très gentil. J'ai peut-être trouvé le nom du film que je veux parler forcément. C'est pas Tex Avery, c'est je sais pas. Patate obtenue. Je cherche vraiment hein, le nom du film en même temps, ça va me revenir. Et si je vous le dirai, si je le trouve, je vous le dirai, mais pour l'instant je l'ai plus dans la tête. Toy Story. C'est pas ça Toy Story, je pense que c'est Toy Story. Il me semble que c'est Toy Story. Alors, ok. Salut Mathéo! Ton enfance, tu y as joué toi? Tiens, le personnage là où il y a Woody et tout ça, c'est Toy Story. Tu pourras peut-être me dire. Alors, appuie sur rond près d'un cube pour le ramasser. Wally peut transporter jusqu'à 3 cubes à la fois. Explique. R2 ou L2 pour lancer un cube sur NX. Ok. Yes. Toy Story. Ok, d'accord. Est-ce que je parlais de nom? J'avais dit Texas. Non, j'avais la fugue en électrique. Ah, d'accord. Et t'as jamais joué au jeu? Par contre, au niveau de la caméra, ça peut faire mal. Coucou, Fanou. Merde. Enfin, un cube. Moi, ça me fait penser un peu à Minecraft, hein, quand même. Bon, comment ça va? Sinon, vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine? Santé partiellement restaurée. Pourquoi? Je me suis pas blessé. Les distributeurs BNL permettent d'obtenir des ordures que Wall-E peut compacter en cubes. Utilise cet objet pour réparer un distributeur BNL. Salut Raphaël! Bah ouais, ça fait une semaine, comment ça va? Ouais, tranquille. Comment ça se passe chez vous le confinement en Belgique, Mathéo? Enfin, confinement, ou est-ce que vous serez confiné vous? Les icônes au-dessus d'un distributeur BNL indiquent le type d'ordure disponible et le type de cube qu'elles permettent de créer. Magnifique. Merde, pourquoi il me met en paysage ce con? Ouais, ça se passe, ça va. Ok. Nous, on va sûrement être confinés. Après le couvre-feu, le reconfinement. On est habitué, hein. Ouais, moi ça va, nickel, hein, nickel, ma foi. Bonne semaine, la semaine commence bien, gentiment. Et puis, voilà, ça va être une semaine assez chargée, mais c'est nickel, je suis pas ennuyé au moins. Ça, il a pas gelé par chez vous? C'était pas, il fait pas trop froid. Appuie sur rond pour compacter des ordures en cubes. Wally peut en transporter 3 à la fois. Je sais ça, mais punaise. Pourquoi il me dit ça?
J'aime bien la petite musique des années 50. C'est pas mal. Alors, ça fait peut-être une semaine, mais je bug toujours autant. Ah bah ouais, bah ça, si tu bug toujours autant, il faut que tu... il faut... Merde. Il faut... Ouais, je sais pas. C'est comme Crumble, c'est pareil. Crumble aussi, il bug. C'est bon là ? Parfait. Ah, merde. Bah oui, il manque un BL. Un bon de livraison. Et il manque un bon de livraison là. Puis là en plus, si je peux monter. Ah punaise. Il y a les petits trucs en plus qui m'embêtent. Oui. Bah, t'as à faire gaffe. Bon, est-ce que je peux reprendre des cubes? Ah yes, c'est bon ça. Merde, j'ai pas besoin d'en prendre 36. Je suis con là, y'a un truc là. Merde, par où je passe? Et il va trop vite le petit robot par contre. Oh, il aime pas ça. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Ah non, je suis pas mort. C'était, je vous voyais, vous alliez rigoler. Bon, alors là, il y a l'énergie qui est là, tant pis, je vais pas prendre le truc. Bon, qui connaît à part Matteo Wall-E? Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? Bon, Matteo, il n'y a pas joué. Voilà, c'est bon. Là, il y a de la ville. Ah, c'est cool, je me recharge comme ça. Ok. Bah oui, mais il me faut le truc. Il me faut la petite commande. Et où est-ce que je laisse cette commande? T'as jamais joué? Eh, c'est des jeux qui... C'est pas un jeu qui tente ça? Je sais pas sur quoi il est sorti ce jeu. Sur PS3, il a dû sortir sur PlayStation 2 Xbox. Et là, je sais pas où faut aller. Et il me l'a déjà bloqué. Bon, ouais, sinon, Fanou, alors t'avances dans Erika. Tu m'avais dit que tu jouais à Erika hier. Ah, mais attendez. Eh, eh. Non mais c'est juste pour une illustration quoi, mais non. Bah tant pis, je vais prendre les trois trucs. Je le sens pas, il va aller moins vite si je prends les trois blocs. Bon, c'est vrai que la caméra elle est un peu trop sensible, la caméra. Je sais pas si je peux changer. Option. Caméra. Sensibilité de la caméra. Commande avec inclinaison. Non, il y a pas. Section niveau. Objectif de niveau. Reprendre la partie. Quitter. Commande. Non. Je peux pas changer. Est-ce que ça que... Ça fait... comment dire... Ça va trop vite les mouvements de rotation de caméra. Non, j'ai pas joué, t'as pas eu le temps. Ah, bien. C'est con ça. Tiens, Matteo, tu connaissais Eric K. Ah non! Je crois qu'il faut donner 3 coups d'un coup. Et évidemment, il a pas. Le deuxième, il l'a pas visé. Donc c'est foutu. Ah, je le connais le passage. Hein. Oh, je dois
dégommer 3 fois. Je suis sûr qu'il faut que je dégomme 3 fois. Mais y'a rien! Par où je dois passer là? Ouais, bah en fait, faut pas que je. En fait, c'est surtout la caméra. Si je tourne en même temps que je tourne la caméra, ouais. Ça fait loucher. Mais je sais pas où est-ce qu'il faut aller là, c'est un con quand même. Puis il est vieux, hein. c'est un jeu qui est assez vieux. Hein. Mais il est bien. C'est... Mais là, je sais pas où faut aller. Où est-ce que je dois aller, Barzard? Il y a un truc à faire, c'est obligé. Là, il faut l'alimenter ce truc là. Ah, les cubes lourds permettent d'alourdir les objets, mais ne peuvent être lancés que sur les courtes distances. N'avez-vous jamais pensé ah à bah, acheter non. quelque chose? Je sais pas qu'il y a plusieurs cubes. Ah bah moi je crois qu'il fallait. Ok, non mais c'est pas grave. Bon, tant pis, hein. J'étais généreux. Hein. J'en ai balancé 3. Là c'est pareil. Bon. J'essaie de pas trop tourner la caméra à la rigueur. C'est bon ça, c'est bon. Ah il en faut un autre. Ah il en fallait un autre. On peut voir un truc rouge là, non? Ah c'est l'écran. C'est trompeur hein. Du coup, ouais, ça fait longtemps qu'il est sorti au cinéma ce film-là. Ça fait combien de temps, Mathéo, là? Oh là là, prends un visé avant de lancer. Yes. Bon, bah là, l'énergie, je l'ai à fond. J'ai une patate. Ça s'appelle des patates, Léo. On est pas en hortant. Merci pour ces achats. Bonne bye and large. Ok. Bah, c'est sympa hein, quand même. Hein. On va dire que c'est pas bien. Les cubes ordinaires peuvent être lancés loin et en ligne droite, mais n'affectent que certains objets de l'environnement. Ok. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce jeu. Non, ça sent pas bon ça. Bon, il y a une belle phase de plateforme. Voilà, déjà. Et une belle phase de plateforme, ça c'est cool. Wow.
peux rien faire là. C'est... Ok. Oh, doucement là, doucement. Hein, ils sont marrants, vous avez vu? En plus de ça... Ouf! Ouf! Oh la chance! Salut Team Nev! Bonsoir! Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Je lance le truc là-bas? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça! Yes! Comment ça va, Team Nev? Rouah! C'est quoi ce truc de fou là? Mais... Oh la vache! Bon, on va recommencer. Ouais, il est marrant, mais il donne un peu la gerbe comme Zelfadou tout à l'heure. Il peut donner un peu la gerbe. Et j'avoue, hein, la caméra est trop dynamique. Donc, allez, lance! Ben ouais, et je fournis pas hein, les sacs anti-nausées. Hein. C'est. Mais sinon, c'est rigolo, hein. Honnêtement, il est rigolo. Et ça faisait longtemps que je l'avais ce jeu. Honnêtement, ça faisait longtemps. C'est un des premiers jeux, comme je disais tout à l'heure. C'est un des premiers jeux PS1 que, PS3 que j'avais. Mais. Oh non. Ah c'est gentil, il me fait revenir. Mais j'ai jamais fini ce jeu. Alors je sais pas, peut-être c'est à cause de la caméra. Mais après c'est un bon petit jeu de plateforme en plus. Hein. C'est mignon tout plein. Je suis sûr qu'il est sorti sur Xbox en plus. Je serais pas surpris. Sur Xbox 360, voire Xbox tout court. Parce qu'il faut que je prenne ça. Et voilà, je suis arrivé à destination. Alors, bon, tu peux pas régler. Bah justement, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, j'en regardais. Dans les commandes, il n'y a rien. Caméra, visée, tout ça, visée de précision, vue subjective. Et voilà. Et ensuite, quand je vais dans les options, c'est plus le son. Tu vois, volume musique, volume effet, volume cinématique, les vibrations. Les commandes inclinaison, donc elles sont sans, ce sera avec, j'imagine que ce sera encore plus dégueulasse. Et après, c'est les axes des joysticks, donc non, il n'y a rien. Et c'est dommage. C'est tout à fait dommage. Appuie sur carré pour faire tourner la section de la piste pivotante. Appuie sur rond pour quitter les commandes de la piste. Qu'est-ce que là cette piste? J'aime bien, c'est des patates. Ok. Bah, non, après le jeu il est tellement.
Bah, c'est il est pas sorti d'aujourd'hui, quoi, si tu veux. Là. Oh la vache. C'est tout ? Ok. Mais ouais, sinon il est sympa, moi je trouve qu'il est, il est rigolo, hein. Mais voilà, c'est juste ça qui merde, quoi. Vous méritez plus que jamais de dépenser. Bon. Donne-moi un cube. Alors c'est pareil, il faut aimer les cubes. Panier. Ah, il en fait un deuxième. Il est bon au basket, en tout cas. Vous l'avez vu? Qui a vu le film Wall-E? À part Matteo qui a dû partir. Il est quoi temps, Wall-E? Pouf! Attends. Tu l'as vu le film Wall-E? Je voulais savoir si... Non, je l'ai pas vu, Wally. Je l'ai pas vu. Du copyright. Alors, pour les jeux, franchement, ce sera vraiment pas de chance que je sois bloqué ce soir. Alors que depuis que je fais du stream, pourtant j'ai streamé plein de jeux, j'ai jamais eu de problème. Par contre, pour le son sur Twitch, ça bloque carrément le son. Ça coupe le son carrément. Ça coupe vraiment tout le son quand il y a une piste musicale. Par contre, sur YouTube, je sais que là, les dernières émissions que j'ai importées, les 2-3 dernières, eh ben, la vidéo était bloquée à cause de musique. Il a fallu que je coupe le son de la vidéo, donc ils ont un truc qui a l'air sympa. Pour l'instant, c'est en bêta, mais ça a l'air de bien fonctionner. Ça coupe uniquement le son du titre, donc ça masque pas ma voix comme ferait Twitch, qui eux coupent directement tout le son, quoi. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment eu de problème avec le copyright. Tu l'as vu une fois? Et ça parle d'un robot qui fait des poubelles. Fanou, t'as vu Wall Street? T'as vu Wall Street? Ça se pète la gueule. Désolé, hein, je suis en bas de produit de la bourse. Mais Wally, tu l'as vu, Fanou? Allez, hop là, trouvé. Merde, c'est chiant parce que mon téléphone, à chaque fois, il se remet à zéro. Faudrait que... C'est pareil, je voulais mettre un support pour pouvoir le poser et l'avoir à la verticale. Ça m'éviterait de le prendre à chaque fois. Je suis obligé de lâcher la manette pour voir les messages. Ok. Donc on est dans une sorte de casse, en fait. Ouais, je vais par là. Ouais, ok, d'accord, merci. Non, pas vu. Et t'envisages pas de le voir pour me faire un résumé, Fen? D'accord, par contre, si tu joues à NFSU, fais gaffe, c'est normalement. Need for Speed Underground, fais gaffe, c'est une romance entre deux robots Wall-E. Ah bon? Need for Speed Underground. Bah, j'y ai joué et je vois pas le lien, c'est quoi le lien en fait? Yes. Voilà. Ok. Pourquoi dépenser moins quand on peut dépenser plus? Mais oui, c'est l'air mignon tout plein, c'est vrai, moi j'aime bien. C'est. Je sais pas, bah. Puis.
Je sais pas si c'est pour les enfants, ce truc là c'est pour les enfants. Mais c'est Disney je crois qui fait ça, Disney Pixar. Deux gouttes, et voilà. Tout est donc c'est pour ça hein. Merde. Les cubes ordinaires peuvent être lancés. Ok. Je trouve de. Voilà. Alors. Wally est une romance entre deux robots. Et NFSU, tu peux voir. Ah bon? Bah je savais pas. Moi je suis pas allé loin, je l'ai pas fini Need for Speed. Donc toi t'as dû finir le jeu Need for Speed Underground. Et là pour l'instant j'ai. Je connais pas l'histoire hein, maintenant. Mais franchement si j'avais l'occasion de regarder le film ce serait génial. Wally peut manipuler des objets en heurtant la boîte. Ouais. Ah merci. Non, je crois que je suis à fond. Ah, avec Nefe... oui, oui, bah c'est sûrement à cause de ça. Oui, j'ai déjà eu Need for Speed Underground. Ouais, ouais, j'ai... sur, enfin, sur Twitch, ça va. Mais par contre, niveau multijoueur débloqué, ok. En fait, on peut jouer à deux hein, à ce jeu-là, c'est super. Quoi. Ah ok. Mais oui, oui, j'ai déjà eu ce problème-là. J'ai déjà eu ce problème-là avec bah, YouTube notamment, où ils m'ont bloqué des vidéos. Mais bah, tu coupes le son, puis voilà, là, au final, t'as pas de problème. Donc ça c'est ça qui est bien, c'est que ton compte va pas être fermé si c'est juste la comment dire la monétisation, mais comme YouTube moi je me fais pas payer donc voilà. Par contre sur Twitch quand il y a une page de pub qui apparaît et que si cette ça indique cette page soutient Kevin 5383. Eh bien, y a une partie des revenus qui me bah, qui me reviennent à moi. Je dois toucher un centime, je crois, par pub regardée. Ça va loin. Mais bon, c'est mieux que rien. Les cubes de charge peuvent alimenter certains objets qui se trouvent à côté, mais attention, les cubes sont extrêmement instables. Ok. Ouais, alors je mets de la musique, ouais, j'en mets, mais je m'en sers vraiment pour. Vous avez pensé à acheter quelque chose ? J'en mets bah pour le générique de l'émission Retour vers le rétro, par exemple, c'est de la musique YouTube, libre de droit. Mais sinon, utiliser un cube de charge pour alimenter le pilote de charge, ok. Mais sinon, non, après, j'enlève carrément la musique, puis voilà, maintenant on peut. Maintenant, on peut carrément enlever le son, donc au final, on entendra juste pas la musique, mais c'est tout, ça dérange pas. Mais avant, c'est vrai que moi, je sais que j'avais des vidéos sur les Guitar Hero, par exemple, quand j'en faisais, la vidéo était carrément bloquée, je pourrais rien faire. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos de Guitar Hero, parce que bah, pourtant, ça plaisait, mais voilà, le problème, c'est que. Bah, c'est à cause de. Ah ouais, en plus, moi je me foutais, je cherchais pas à me faire rémunérer de mes vidéos. Et voilà quoi.
coup, il y a pas mal de vidéos que j'avais faites et que j'ai décidé de faire tourner la section 1 de la faire tourner la section 1 ou faire tourner la piste pivotante. Ah d'accord, ok. Là c'est session 2. Particulier, hein. C'est chelou ce truc. Bon, geste comme ça, je vais voir ce que ça donne. Merde. Là c'est pour apprendre des coups de soleil. Bon, c'est tout. Les Wally sont capables de transformer le plus grand des bazars en un chaos ordonné en peu de temps. Ok. On faire là. C'est trop. Essayez Wally. Tout sera réduit en temps. Des milliers de robots. Non, ça fait rien. Maintenant, les Wally sont là pour vous déployer. C'est vrai que je me mets à la place des youtubeurs en pro. Ça doit être vraiment galère. Ceux qui vraiment vivent de ça. Merde, c'est vraiment une galère de vivre d'être toujours sur la constante de dire est-ce que ma vidéo va pouvoir être monétisée. Ça va être balèze. Ah punaise, il y a de la flotte. J'ai pas vu qu'il y avait de la flotte. Donc, plus tard, je me suis bien mis au chaud. Ah. Ah, mais t'as bien raison de te mettre à ton aise. C'est le but, hein. Remarque, je pourrais moi aussi être mettre mon petit plaid et tout tranquille. Bah, j'ai touché à rien, là. Mais au final, je l'ai même pas mis. J'aurais pu. Parce que moi, je suis en mode plaid à fond. Ah zut. Pendant vos vacances, nous ferons le ménage. Les robots Wally de Bayern Large vont nettoyer la planète. Vous n'aurez rien à faire. Vous serez à bord de l'action. Je peux monter? Non, je peux pas monter. Merde. Ah ok. Faire tourner la section 1. Mais non! Oh non, il s'est barré! En plus, mon chat s'invite dans mon lit en hiver, c'est cool, mais l'été, on s'en... Pourquoi c'est embêtant? Il fait trop de chaleur, ton chat, c'est pour ça?
aujourd'hui pour vous garantir des lendemains meilleurs. Et où le... Bah, il est où le truc? En fait, je savais pas qu'il fallait que je passe par là. Ah, punaise. Allez! Je piche pas là. Ouais, faut que je fasse attention, mais tu vois, bah, j'ai même pas eu besoin de faire attention et c'est pareil. Par contre, là ça pue parce que je vais bientôt mourir. Non! Je vais me soigner. Ce truc là il soigne. Ah nickel, ça c'est génial. Voilà, tac. Bon bah j'ai... Neuf. Pourquoi j'ai fait celui-là? Triangle. Allez go, je vais voir ce que c'est, ce que ça donne. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir passer là. Ah là par contre j'ai un bloc. Les robots Bayen Large nettoient aujourd'hui pour vous garantir des lendemains meilleurs. Attends. Je vais lire un message après, je vais regarder. C'est pas là que je dois le mettre le truc. Ah, il est là. Chez Bayen Large, il y a tout ce qu'il vous faut et plus encore. Votre terre est notre maison. Haut de l'étritu en face, il y a la place dans l'espace. Les vaisseaux BNL partent chaque jour. Pendant qu'on va commencer, on est là. Alors. Je suis tombé, ouais, mais au final, je suis... Bah ouais, le problème, c'est qu'en fait, quand je tombe, les plateformes, elles se remettent à zéro. Mais en fait, la tempête de sable, à part masquer un petit peu, bah, m'empêcher de regarder, elle fait rien. Quand j'ai l'impression. C'est juste... Ah, punaise, il y a encore un bloc bleu, donc faut que je revienne... Non, il y a, toc. Les robots Wally de Bayen Large vont nettoyer la planète. Vous n'aurez rien à faire. Vous serez à bord de l'Axiom. Mais il est pas mal, sinon, comme genre. Je me rappelais plus, je sais même pas si j'étais allé jusque-là. Il y a tout ce qu'il vous faut et plus encore. Je pense que oui. Termine tous les côtés de la piste suivante pour débloquer une zone secrète. Ouais, on va pas débloquer la zone secrète. Ah,
Sinon, j'en avoir pour tout le... pour toute la soirée. Bah, à part nettoyer... ouais, nettoyer les ordures. C'est tout, quoi. Fallait que je passe le coin, mais... en gros, si j'avais eu tous les... Si j'avais fait toutes les zones, là, de la plateforme, là. Donc, il y avait 6 zones, si j'avais vraiment tout fait, j'aurais eu une zone secrète en profondeur. Vous trouvez pas qu'il ressemble trop à Astro Bot? Je sais pas si vous connaissez Astro Bot. Team Neige, je pense pas que tu vas connaître. Mais alors, objet trouvé, appuyez sur croix. Ouais, il fait trop penser à un personnage de jeu vidéo, le petit robot blanc. Astro Bot, ouais. Astro Bot. Le petit robot blanc, là. Je sais parce que je l'ai ce jeu, là. Astro Bot. Reste mission. Alors, accélérer... Alors, maintiens la croix pour accélérer et freine avec. Ah oui, oui, Astro Boy, c'est un manga. Non, non, je parle de Astro Bot. Reçu mission, c'est un jeu. En gros, Astro Bot Reçu mission, c'est un jeu qui est sorti sur PS4 qui utilise le PlayStation VR. VR. Et comme bah, moi je laisse le PlayStation VR, et j'avais fait des lives de Astro Bot, et c'est un très bon jeu. Bon bah j'ai pas réussi à le finir parce que c'était trop balèze. Tire, appuie sur A2 ou carré pour balancer les armes. Utiliser les armes dev. Détruis 5 véhicules blancs. Yes. Défi destruction. Destruction. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Permet de charger un laser dev au maximum. Ouais, c'est pas mal. Wow. Bon, je laisse le doigt appuyer sur la touche. Hein. Je peux regarder les... En fait, il avance tout seul, hein, le perso. Et un timer. Hein. Yes. Astro Bot, je connais pas. Et Eve, c'est la petite amie de... Ah d'accord, bah ça doit être ça. Ils vont s'aimer. Mais en fait, le... ouais, Astro Bot, tu regardes. Et moi, je lisais, j'ai fait des lives.
Je crois qu'ils sont encore sur ma chaîne Twitch d'ailleurs, Astrobot. Et le petit bonhomme, le petit fantôme, il est blanc avec de gros yeux bleus comme ça. Et la tête, elle est noire, donc... Décharge d'énergie, trouve 5 polygones de charge et surcharge-les en appuyant sur triangle ou R1. Ok. Ça a chargé les objets ou à contrer. Donc, triangle ou R1. Ah la vache, par contre, faut être habitué. Voilà. Donc, une petite partie de recherche en fait. Mais c'est pas mal, hein. Franchement, l'immersion, bah, c'est. Je sais pas, t'as déjà essayé la VR, Team Nev? Ok, d'accord, donc je peux pas aller plus loin. C'est vrai que c'est pas le pour l'instant. Le jeu, c'est vraiment pas, c'est pas le jeu qui va te prendre l'énergie, j'ai l'impression. C'est tellement la musique et tout, c'est tellement calme que c'est vraiment le jeu. J'ai l'impression que tu le fais calmement, nos prises de tête. C'est vraiment dommage que la caméra, par contre, on puisse pas la rendre moins sensible. Alors, je vais faire un petit peu le tour du pâté de maison. Des fois, il peut y avoir des trucs qui se cachent. Des trucs là, c'est quoi ça? Défi turbo, traverse les 9 turbos situés dans la zone avant la fin du temps imparti. Oh la vache! Non, j'ai pas confiance en ce genre de choses. La VR, trop dangereuse pour le cerveau humain. Bah. Ouais, après, ça dépend. On n'est pas perturbé plus que ça. Enfin, après, ça dépend des personnes. Oh, elle est tombée comme une merde. Mais ouais, franchement, je suis là, je sais que j'ai une partie Gran Turismo Sport que je peux faire sur je vais pas le faire le défi, tant pis, que je peux faire en VR et ça me tente bien. Je sais que le jour où je leur brancherai le casque, je le ferai aussi pour Gran Turismo Sport. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas, de vertige, on n'a pas la, enfin, j'ai pas la germe, j'ai pas, là par rapport à la caméra Wall-E, ça me fait mal aux yeux. Encore la VR, j'ai pas ce problème là. Thank you.
qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis mort. Bah. En fait, ça dépend le casque VR. Moi, il y a une fois où je l'ai utilisé. Il y a une fois le casque VR, je l'avais sur la tête pendant 4 ou 5 heures. C'était avec Chaton. On jouait à Final Fantasy. Et comme j'avais pas de télé, je m'étais servi de mon casque VR à la place. Pour jouer à ce jeu, quoi. Et ouais, j'étais un petit peu, on va dire, démoussolé parce que j'avais commencé ma partie la journée. Quand j'ai enlevé le casque, il faisait nuit. Donc c'était plus ça qui était chelou. Mais sinon, un jeu en VR, par exemple, comme Astro Bot, où j'avais passé une heure et demie, je crois, le maximum dedans. Bah non, j'ai arrêté, j'avais ni de fatigue ni quoi que ce soit. J'étais bien, quoi. Après, il y en a qui sont plus... Bon, là, Astro Bot, ça va encore, mais il y en a qui sont mal conçus en jeu. J'avoue. Ouais, mais en fait, c'est pour éviter... ça me laisse plus de chances d'éviter le... Comme ça, quand je casse le ventilo, je me cogne pas dedans et je perds pas de la vie. Multiscan cherche les plantes en scannant les endroits indiqués. Si M se déplace assez lentement, le scan se fait automatiquement. Une petite zone de recherche. C'est bien, c'est un peu comme aller chercher les autres packs dans le jardin. Oh. Ça veut dire le téléphone là, c'est chiant que je puisse pas le poser quelque chose à la verticale. À chaque fois faut qu'il me remette en paysage et je vois pas le chat. Et tu connaissais pas ce jeu, Team 9. Tu connaissais pas Wall-E. Je sais pas si je peux passer en dessous. J'ai rien, un truc. Ah, je peux plus rentrer dedans. Une fois que j'ai fait la zone, je peux plus y retourner, pardon. Merde. Dommage ça. Bon, elles sont où les plantes là? Si, il y en a là. C'est bien, il guide un peu quand même. Il n'y a pas de niveau de difficulté hein, sur ce jeu. J'ai pas choisi facile, moyen, difficile. J'ai l'impression que c'est facile d'office. Ça doit être pour les enfants. Merde, pourquoi il accélère?
Si un jour tu te fais une saga Dragon Age, si tu peux jouer sur ordi, Xbox, je connaissais. Mais seulement pas si c'est pas pour jouer. Alors autrement, si un jour tu te fais la saga Dragon Age, si tu peux jouer sur ordi ou Xbox One, je connais de vue, seulement pas. Je n'y ai pas joué car il me tentait pas. Dragon Age. Je sais que j'en ai un, je dois avoir le Origin, mais c'est sur PS3 je crois. Et le Inquisition aussi sur PS3 et PS4. Et j'ai pas les autres Dragon Age. Il n'y a pas sur Xbox 360. Les tout premiers Dragon Age 1 et 2. Mais ouais, sur PC, il faudrait que je regarde. Après, il y a un site qui s'appelle Abandonware. Mais je pense que le jeu est trop récent encore. Et sur Abandonware, tu peux télécharger en toute légalité. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Tu peux télécharger en toute légalité les... Comment ça s'appelle ? Les anciens jeux. Je sais que moi, j'ai joué pas mal à des jeux de stratégie comme Dune 2. Ça, c'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais gamin. Et... Et au final, il y a plein de petits jeux, mais c'est plus des années 90, donc je pense que... Comment ça s'appelle ? Merde. Dragon Age. Merde. J'aurais voulu passer à gauche, moi. Sauvegarde en cours. Ah, je suis mort. Alors, multiscan cherche les plantes en scannant. Bah, c'est fait ça. Pourquoi il fait ça? Je l'ai déjà fait ça. Je comprends pas. Pourquoi il me demande de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure? Que je les cherche, mais c'est con, je les avais déjà trouvés. Lui me redemande de leur faire. Je connais Wally, mais je n'ai pas joué car. Pas tenter. Pour les Dragon Age, je te conseille de commencer par le premier, ensuite le 2 et le 3, car chaque choix que tu fais dans les Dragon Age influe sur le 2. Ah, d'accord. Ok. Ouais, il faut les avoir aussi tous, les Dragon Age. Wall-E, je n'y ai pas joué. Ouais, après, ouais, Wall-E, ouais, c'est particulier, mais moi, je trouve que c'est plaisant, honnêtement. C'est plaisant. Après, je l'ai pas fini, donc c'est pour ça j'en profitais. C'était l'occasion de. C'est pareil, je cherchais l'autre fois là, dans ma ville. Je cherchais des associations de
de joueurs de jeux vidéo. Ça pourrait être sympa, je me disais. Ça peut être l'objectif d'une sortie, c'est de faire partie d'une association de joueurs de jeux vidéo. Mais je sais pas si je peux. Je sais pas si toi ça te parle ou si ça vous parle. Bon, là, il ne reste plus qu'un. Je crois que c'était par là. Non. Non, j'aurais déjà scanné. C'est là qu'Elos faut avoir Dragon Age 1 et 2 et Inquisition et Annihilation et Gamma. Bah ouais, j'ai vu, ouais, mais après faut voir ce qu'ils aussi font de la défense. Moi j'ai vu ça, faudrait qu'on en parle en dehors de live. Merci Gradius pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Mais ouais, ça c'est des choses qui pourraient être sympas. Parce que je pense pas, parce que là j'ai vu moi. Il y a beaucoup de e-sport, FIFA et Call of. Bon, bah, moi déjà, même si j'aime bien jouer à Call of, je sais tout de suite que je pourrais pas parce que je serais, j'arriverais pas à être aussi bon que les joueurs pro et semi pro. Mais ne serait-ce que pour le rétro gaming notamment, voilà, partager. Un témoignage, mais mon expérience de jeu vidéo, ça va faire 30 ans que je joue aux jeux vidéo cette année. C'est ma 30e année, c'est énorme. Hello Gradius, comment ça va? How are you? Alors, bon bah ça y est, j'ai fait le truc là. Qu'est-ce que je dois faire après? Alors, un truc tout simple, il y a option. Non, c'est pas ça. Objectif de niveau. Cherche des plantes. J'ai déjà fait ça. Je comprends pas. J'ai scanné les 5 plantes. Je vais pas retourner dans le truc, sinon il va me remettre à zéro. Si je retourne ici, il va me remettre à zéro. Il en voulait 5, j'en ai scanné 5. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Honnêtement. Mais je sais pas. Faut que j'attende peut-être, je suis le tour du pâté de maison. Bah oui, demi-tour. Alors demi-tour, ça veut dire que j'ai pas l'heure d'aller là. Là, le truc, la petite cheminée, c'est par là où je suis sorti tout à l'heure. Ok, ça marche. Bah je le verrai pas tout de suite parce que je suis pas sur mon ordinateur. Donc je sais pas si je vais t'y répondre ce soir. Mais je te répondrai dans la semaine, ça c'est sûr. Parce que je suis occupé cette semaine pour une fois que j'ai pas mal, j'ai un petit emploi du temps sympa cette semaine. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Patate obtenue, bah ça je veux bien, mais c'est pas ça que je veux moi. Amélioration d'apparence pour Eve. Ah, c'est cool ça! Scanner les plantes, mais est-ce que...
j'avais une touche particulière à faire ou pas? Bah c'est quoi ce truc de fou? Je les ai toutes scannées les plantes, je comprends pas là. N'hésitez pas à me dire hein, si... S'il y a des choses que je dois faire... Ah! Attendez. Il y a un truc là. Punaise, mais attendez, mais... C'est quoi ce truc de fou? Pourquoi il y en avait 5? J'en ai scanné 5. Directive du scan réussi. Défi chrono débloqué. Ok. Cherche des plantes dans le tunnel qui vient d'être créé dans l'épave. Cher, hein, elle prend cher, elle. Il n'y a pas de plantes, ils sont marrants. Hein. C'est long. J'ai l'impression que c'est le même chemin que tout à l'heure. Je sais pas. J'ai l'impression d'être déjà pas. Déjà passé par là. Je fais une boucle. Et déjà, il me demande de. Trouver des plantes, mais il y en a pas du tout. Alors, je regarderai mon message une fois qu'il a fini sa course. Voilà, c'est bon. Eva.
Oh, c'est qu'un robot. Hein. C'est quoi un robot? Elle est toujours vivante. Hein. Le but, c'est qu'elle est toujours vivante. Hein. Et en pleine santé. Niveau terminé. Bah, je vais peut-être d'ailleurs m'arrêter là, parce qu'il est déjà 10h10. Ça, sinon, je vais pas avoir le temps de faire un autre niveau. J'aurais pas fini l'autre niveau, sinon. Ah, oh, bonsoir Hugo. Ah, ça fait... Bye, comment ça va? Comment ça va Hugo? Ils sont trop mignons, Wally et Eve. Ouais, bah ouais, c'est, bah, le pire c'est Astrobot. Hein. Franchement, Astrobot, c'est... il te fait coucou et enfin franchement, c'est encore pire Astrobot. C'est peut-être pour ça qu'au final je suis insensible. Pas, ou pas si sensible que ça, parce qu'Astrobot à côté, il... Et ça donne envie, ça donne envie de continuer, il est pas mal hein, comme jeu. Superman, c'est les robots. Ouais, c'est les robots sur BO2. Non mais attends, t'as juste voir un truc. Mais ouais non, c'est pas les robots. C'est vrai que c'est pas mal les robots. Oh bah tiens, je suis mort. Conduis Eve en sous-dessus. Maintiens pour faire un saut de Seagull. Eve peut ainsi porter Wally pendant. Non. Ah, je peux même pas. C'est la guerre des étoiles. C'est vrai que là, ça fait du robot. J'en ai vu là des vidéos, d'ailleurs, ce week-end de Call of Duty Black Ops 2. Les rageux, c'était trop drôle. T'aimes bien le film Wally? Ah bah t'es comme Matteo, c'est pareil. Matteo, il a adoré Wally. Et il a pas joué au jeu. Et toi, tu as joué à ce jeu, Hugo, quoi. Parce que j'ai l'impression d'être le seul à avoir joué à ce jeu. T'as jamais joué? Bah alors, c'est quoi se dire? T'as jamais joué au jeu? Ah, il est pas mal, hein, franchement, hein, comme jeu. À part la caméra qui est pas ouf ouf. Mais sinon, franchement, il est bien. Là, tu vois, je devrais m'arrêter au jeu. Je devrais m'arrêter de jouer là. Et bah, je continue parce que je le trouve sympa. Ah ouais, non, mais là, ce week-end, c'était rigolo. T'en as un, t'as un gamin, c'était vraiment un gamin. Il a carrément crié, limite, il y en a un autre, limite, il pleurait. Mais il y en a un, ouais, il a carrément crié, quoi. Et ouais, c'est... Pff, non, c'est... Faut pas non plus... Merde. C'est qu'un jeu, quoi. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Ah ok. Bon bah. J'ai installé comme tu dis Black Ops 4 sur PS4. Et alors du coup, tu y as joué? Tac.
pas encore, le chargement est super long. Bah tu m'étonnes. C'est pas, j'ai pas rejoué depuis un bail. Puis là je pourrais pas jouer parce qu'il faut le PSN plus. C'est comme là, il y a un jeu que c'est Gridfall, je crois. J'aimerais. Il a l'air trop bien en jeu gratuit sur le PSN Plus. Bah non. Je vais pas pouvoir l'avoir. Non, punaise. Merci pour ces achats. Tu peux démarrer le jeu, mais tu peux pas lancer de partie. Ah bah oui, ouais. Bah ça c'est... Ouais c'est... J'avais eu ça moi avec Call of Duty... comment ça s'appelle Modern Warfare. Mais pourquoi à chaque fois... C'est la guerre mon général. Ok. Il faut des cubes qui sont là. Non. Je vois pas. Et t'as rejoué à GTA un peu ce week-end. J'ai prévu de refaire la campagne BO2 pour faire les missions secondaires. Ok. Bah ouais, puis il y a pas mal. Bah t'as le... ouais, t'as le zombie, mais t'as pas le... mission secondaire, j'ai pas... Sur BO2, il y a mission secondaire. C'était quoi une mission secondaire? Merci pour ces achats. Mais pourquoi à chaque fois je me demande... Va vous sortir d'affaire. Bah, il est con quoi. Merci d'acheter Bayen Large. Oh la vache, ils meurent ensemble. Je suis arrêté à Call of Duty Black Ops 3, autrement si tu aimes te faire peur qu'il essaye Until Dawn. Ouais, je l'ai, je l'avais, j'y avais joué Until Dawn sur PS4, j'avais eu gratuit. Mais non, il a pas vraiment fait peur. Par contre, un jeu qui me ferait peur serait plus... Il y en a un dans un hôpital psychiatrique là. Il fout les boules celui-là. Mais je pourrais plus, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est celui-là, il ferait. Celui-là est gore quand même. Acheter BO3 sur PS3, je l'ai sur PS4, mais je pourrais l'avoir sur PS3 pour le multijoueur en mode zombie. Ouais, bah après, je sais pas si tu peux le trouver, parce que moi j'ai eu de la chance et. J'ai eu de la chance de le trouver à 25€ le jeu. Alors que sur certains sites, il était encore pas donné quoi. Quelle chance. En réalité virtuelle, j'y ai déjà joué et on se fait dessus. Ouais, apparemment, mais moi je parlais pas de Resident Evil, c'est un autre jeu qui fout les boules. Ils ont même sorti le 2 et je sais plus c'est quoi. C'est un jeu qui fait vraiment qui c'est un truc de malade. BO3 PS3 il y a 20€. Ouais, en d'occasion, moi je l'avais eu 25,9€. Mais ouais, d'occasion, oui, et encore 20 balles micro arnaque, ça fait un peu ça fait cher pour un jeu d'occasion, sérieux. Je mettrais pas ce prix-là, surtout, bah voilà, graphiquement il est pas beau, hein, BO3. Je sais pas toi, Team 9, tu avais joué sur 360 ou sur Xbox One? Je suis con, parce qu'en fait j'aurais pu lancer tout, même si ça rentre pas bon. Merci
Yes, Michael Jordan. Oh la chance. Ok, d'accord, il tombe tout seul lui. Oh punaise. Il visite justement un hôpital psychiatrique, j'ai joué à Black Ops 3. Tu t'amuserais bien à regarder certains unboxers sur YouTube. Ben, Miami Twix, ouais je connais pas. Dans les 5 sur PS3 qui est bien. Ouais, Resident Evil 5... Ouais, après ça fait pas peur hein, par contre. Resident Evil 5 c'est plus de l'action. Il visite seulement un hôpital psychiatrique. J'ai joué à Black Ops 3 sur Xbox. Ouais, alors Black Ops 3 t'aurais joué sur, 360, c'était dégueulasse. Wall-E. Wall-E. Ouais, elle est super, moi j'aime bien. Ouais. Dans le magasin où tu vas, Kevin, tu peux me faire. Alors, ça dépend lequel magasin, parce que moi maintenant j'ai un peu changé. Mais je crois que si c'est lui, enfin non, je me suis jamais fait arnaquer dans tous les cas, jamais. Même quand une fois il y a un des magasins, je sais plus c'est lequel hein, que je t'avais dit, mais maintenant j'ai changé parce que y en a un et le prix est nettement moins cher que celui que je commandais avant. Là j'achète plus, mais le jour où j'aurai les moyens de le racheter. Du jeu rétro, j'irai sûrement sur le site où. Ouais, j'ai un souvenir. Oh punaise, j'ai morflé. Ah, pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est un autre. C'est avec Game. Il n'y a pas converteur dedans. Il va avoir ton anniv cette année. De quoi que je vais avoir mon anniversaire. Oui, il est pas passé de toute façon. Comme la plupart du monde, quoi. À part ceux qui sont nés au mois de juillet, de janvier. Il peut pas passer par là. Non mais je suis déjà passé par là en fait. Oh non. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre. C'est avec Game dedans. Il y a bien Cash mais il n'y a pas Easy. Alors les jeux rétro, bah, j'attendrai d'avoir mon salaire déjà. Quand j'aurai perçu un petit peu mon salaire, je vais me faire plaisir. Enfin, plaise, voilà, ça voilà, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais
que je peux passer? Ah oh, punaise, c'est dégueulasse. Merci pour ces achats. Abris-toi de la tempête. Oh non, mais j'ai vraiment pas de bol, ça m'énerve. C'est dégueulasse. Quoi qui est dégueulasse? Quoi qui est dégueulasse, mon cher Hugo? Allez! Tu vois, à chaque fois c'est par deux. Oh non, mais non, c'est abusé là! Ouais, non, mais c'est dégueulasse, regarde! Regardez, vous avez vu, à quelque chose près, je dois me retaper toute la plateforme. Non, de toute façon, faut que je m'arrête, il est quelle heure? Oh, il est déjà 10h30. Non, faut que je me lève demain en plus. Je suis en forme. Et ce jeu, il est tellement addictif que... Pff, ouais. J'aurais bien au moins passé cette phase-là de plateforme. Allez. C'est vraiment le Just de chez Just. Panne de l'élan. Putain, j'ai réussi. Ouf. Il y a plus beaucoup de magasins vendant des jeux d'occasion où tu habites. Moi j'en connais que un seul. Là au final c'est pas mon préféré, au contraire. J'y vais plus. BO3, MW2, Resident Evil 5, ah pas de bol, je les ai Hugo. Merci Team Nev, ouais, faut que j'essaie de prendre pour éviter de me retaper là. Voilà, j'attends un point de sauvegarde et puis après je vais arrêter là, sinon je vais me coucher tard. Punaise. Ça va, il y a des petits points. Merci pour ces achats. En entrant dans ce magasin, vous acceptez le contrat. Sauvegarde en cours. Bon, bah c'est bien, je vais pouvoir m'arrêter là. Parce qu'en plus de ça, il y a une sacrée phase de plateforme là. Ce sera pour la semaine prochaine. Alors. Ouais, on va sauvegarder. De toute façon, ça a sauvegardé automatiquement, donc normalement c'est bon. Alors, Black Ops 3. Black Ops 3, Team 9. Bon, allez, je vais te laisser. Bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée à toi aussi, Hugo. Merci pour ton passage. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment en plus.
Ça faisait un petit moment, bah, n'hésite pas à revenir. Attends, en plus, Hugo, je crois qu'il y a des jeux qui pourraient t'intéresser là bientôt. Attendez, avant que tu partes. C'est quoi le jeu? Il y a peut-être un jeu qui va te plaire. Ah non. Ah non, ce sera pas. Ce sera pas cette semaine-là, mais. Ah ouais, attends, Hugo. Si t'es encore là, Hugo, t'es encore là? Attends, je vais t'envoyer un truc sur Instagram. Je sais pas si je peux t'envoyer une photo. Je peux t'envoyer une photo en privé sur Instagram? Je voudrais t'envoyer une photo en privé. Ah non, t'es pas sur Instagram, Hugo. Non, sur Snapchat, ça. T'es sur Snapchat. Attends, je vais t'envoyer un jeu que je vais t'envoyer le nom d'un le jeu, un jeu que je vais streamer le mois prochain. Attends. Je t'envoie ça sur... je t'envoie ça sur Snapchat. Normalement, je peux. Merde. Comment je peux faire? Oh, punaise, moi, les réseaux sociaux, en plus, c'est une horreur. Ah si, comme ça peut-être. Alors. Ah ouais. Voilà, je te l'ai envoyé. Je t'ai envoyé un jeu que je vais streamer le mois prochain, Hugo. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour être présent hein, quand je le streamerai. Donc ouais, avant de vous quitter, bien sûr, un grand merci à vous. Merci beaucoup aux followers, aux spectateurs. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Évidemment, j'aimerais bien fermer la fenêtre. Bon, il veut pas. Alors demain, mercredi soir, on retourne vers le rétro. Alors ce sera les deux derniers jeux de PS2. Et je vais pas dire de conneries, je préfère regarder. Donc la semaine dernière, j'avais testé Top Gun et Sly 3, hein, si vous vous rappelez bien. Donc la semaine prochaine, il y aura du Crash Nitro Kart et du Taz Wanted. Donc ça, c'est mercredi prochain. Voilà le programme de retour vers le rétro, mercredi prochain. Sur PS2. Ce sera sur PlayStation 2. Normalement, je peux. Je peux quoi? Regardez dans les sections niveau. Ah, j'ai fait plusieurs niveaux. Non, j'ai pas fait ça encore. Ah oui, termine le niveau. Bon, ah non, je suis en train de spoiler là. Voilà. Et un petit multijoueur, donc multijoueur c'est avec deux joueurs je crois. Simulateur coopération robotique, le cube. Ah ouais. Coopère avec un ami pour arrêter le temps. La reine d'Ève. Eh ouais, c'est ça. Déjà que t'avais loupé le challenge équestre de Lucinda Green. Bah là, je vais te dire, Hugo, je compte sur toi pour celui-là. Hein. C'est pas Dora, mais bon, c'est du com. Hein. Quand est-ce que tu vas faire du rétro gaming sur Xbox classique? Eh bien, peut-être au mois de février, sinon ce sera au mois de mars. Voilà. Parce que maintenant, vu que j'achète plus beaucoup de jeux, hein, les lives rétro gaming, maintenant, je présenterai... présenterai deux jeux à chaque fois de PS2 parce que PS1 pour l'instant là, je suis un peu à court, j'ai plus rien présenté pour l'instant, mais vu que je rentre 4 jeux PS2, je pourrais rentrer maximum 4 jeux PS2 par mois, donc ça fait j'ai scindé en deux émissions, ça fera deux jeux par émission, donc il restera forcément deux autres émissions libres en rétro gaming.
Et du coup, je pensais faire un retour, donc sur une des deux émissions, faire un retour des meilleurs jeux, des jeux qui m'ont marqué sur PlayStation 2. Et l'autre émission, ce sera de la Xbox. Ok, tu veux me les dire ou c'est une surprise? Les jeux que j'ai streamés, je sais pas encore pour l'instant. J'en ai 22, donc je sais pas. Pareil, je pense que j'en ferai qu'un seul. Après, ça peut être aussi voter. Ça peut être aussi le choix des followers. Mais ouais, je pense que je ferai qu'un seul jeu par contre. Pour pas dénaturer le jeu, bien profiter pendant une bonne heure. Une bonne séance de gameplay pendant une heure, ça peut être sympa sur un jeu. Mais ouais, j'en ai tellement que. Enfin, tellement, non, j'en ai 22. Je crois que j'ai compté ce week-end, il y en avait 22. Donc voilà. En vote, ouais. Donc je ferai ça, faut juste avoir accès à mes listes. Pour l'instant, il y a que seuls les membres qui sont sur Discord ont accès à mes listes. Je crois pas que j'ai des émis sur ma chaîne Twitch. Ok, eh ben moi aussi, c'était cool, Hugo. On a passé un bon moment de voir le jeu de cheval sur PS2. Oui, c'est oui. Ok, ça va être rigolo. Ouais. Bonne soirée à toi aussi, Hugo. Bonne semaine et bon courage. Puis bah moi, de toute façon, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 11h20 et ouais, faut que je me lève demain. Faut pas que je sois trop fatigué non plus. Donc ouais, je vais essayer de trouver. Ouais, mercredi donc. Mais ouais, je vais essayer de trouver un truc pour que tous les followers aient accès à mes listes et puis puissent voter. Mais pour l'instant, j'ai pas de plateforme non plus de vote. Parce que l'idéal, ce serait de pouvoir les faire voter directement. Ou alors, soit je me crée. Mais là, le problème, c'est quoi? Ça va être compliqué si je mets en écriture un accès sur une fiche. Sur une fiche. Enfin, faut que je vois. Mais l'idéal serait que une personne puisse voter une fois un jeu, par exemple, ou une fois plusieurs jeux, mais pas plusieurs fois un jeu. Ouais, faut voir, mais il y a des jeux, j'ai pas forcément envie d'y jouer, tu vois. Comme Top Spin 3, j'ai pas envie d'y jouer en live, je sais que je vais pas durer une heure sur un jeu comme celui-là. Y a pas que du bon hein, sur Xbox hein, que j'ai rentré malheureusement. La plupart sont bons, voire très bons, mais il y en a certains que j'ai tendance à fuir. Tout ce qui est jeu de tennis notamment, j'ai du mal. Donc non, bah après je vais voir, faut que je me penche sur le problème. Bon, on aura le temps de voir ça, hein, parce que ce sera pas avant 3 semaines toujours, puisque là je vais attaquer la deuxième saison de Retour vers le Rétro la semaine prochaine. Donc on est reparti pour deux émissions. Après je crois que j'avais promis à Chaton que ce serait justement un retour sur les jeux. Donc ça risque d'être plutôt au mois de mars. Mais j'ai le temps de me poser la question. Puis à la rigueur n'hésitez pas à me donner des supports de vote. Je sais que sur Discord on peut voter. Mais ça me forcerait à rentrer tous les jeux. Ce qui n'est pas forcément pratique pour moi. Même si j'en ai que 22 pour l'instant. C'est moins du temps. Mais non, faudrait que je trouve un truc. Mais je vais y penser. En attendant. Voilà. Bon, bah en attendant, j'arrête de dire en attendant. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci encore pour votre fidélité. Et puis, rendez-vous mercredi pour un retour vers le rétro sur Taz et puis sur Crash Nitro Kart. Allez, bonne fin de soirée à tous. Bon courage et à mercredi. Salut.